1400 par 1080, c'est la meilleure des réseaux. Sûrement, sûrement, j'ai pas testé, donc je peux pas vraiment donner d'avis, mais moi, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah oui, du coup, tu disais, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, en fait, t'as un ressenti qui est beaucoup plus fluide. T'as l'impression que le jeu répond, on va dire, vraiment mieux, quoi. Donc, t'as ça comme premier intérêt. Donc, du style, quand tu fais des edits, des trucs du genre, t'as vraiment l'impression que c'est beaucoup plus. En fait, t'as vraiment l'impression que c'est beaucoup plus, enfin, plus rapide. Et après, t'as l'autre aspect aussi, c'est que tes carrés aussi, au niveau de tes edits, sont beaucoup plus gros. Donc, beaucoup plus facile, on va dire, à. On va dire tout simplement à aim, à pas te rater quand tu fais une edit. Et tu as aussi les skins, tous les skins des personnages qui sont un peu plus larges que en 1920 par 1080. Le jeu veut vraiment que j'aille à retail, hein. Bah j'irai à retail. Cette maison niche là. Voilà, regardez ma cape. Elle brille sur les côtés. Dans le noir, elle brille. Voilà, c'était le petit moment. Petit moment, voilà quoi, la cape qui brille quoi. T'es bête, hein. Il aurait pas tiré le mec, j'aurais jamais vu. Enfin, il aurait pas tiré. Pour moi, il était derrière, quoi. Il est au-dessus. Les bandages. Aïe aïe aïe! Aïe 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 aïe! Oh là, mais ça build bien là! Oh, doucement, moi je suis pas chaud là, les petits potes. Hein. Ah, je suis clairement pas chaud moi, les gars là! Doucement là! Oh. Vous me faites quoi là? Oh oh! Ils sont chauds là, les mecs là. Trop chaud les mecs là, ils sont bouillants les mecs en face de moi. Moi je suis là, tu vois, je suis gentil quoi, je suis rien. Je me fais laver à moitié, les mecs sont trop chauds. Oi oi oi. Ils sont trop chauds les gens là dès le matin. Hein. Bon pour le coup là il y a que des joueurs pros dans ma game. Hein. Les mecs ils sont trop chauds les mecs, ils sont trop déter. Hein. Et dès le matin là, oh, doucement les gars. Je suis là moi, j'arrive, le deuxième game. Bon peut-être pas deuxième, troisième ou quatrième game. Je suis en sueur quoi. C'était triste hier quand tes ballons ont bug. Bah je sais, je pense pas que c'était un bug. En vrai je.
J'avais le démon, enfin j'avais le démon, j'étais dégoûté, ce qui est normal parce que le play était pas mal, mais ça me permet, on va dire, de tester. En gros, hier c'était surtout pour pouvoir tester. J'ai vraiment. Comment dire? On va dire, j'ai vraiment appris de mes erreurs, ça veut dire que. Je testais, on va dire, des choses, c'est-à-dire que je testais une façon de jouer avec les ballons et j'ai vu comment je suis mort, qu'au final, bah, c'est vrai que je t'aime pour longtemps, etc. Mais j'ai pu, on va dire, enfin, je vais pouvoir tester d'autres choses ce soir, enfin, ce soir, voilà, en solo, s'il y a des ballons, par exemple. Mais en vrai, c'est pas grave, c'est pas très grave, même si je fais pas, pour l'instant, on va dire, du gros résultat. Ça permet de voir pas mal de choses, de prendre énormément d'expérience et voilà quoi. En gros, hier, je suis monté ultra vite à 27 points, donc vraiment très 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 vite. À 19h30 ou 19h, je crois, j'étais déjà à 27 points. Et après, j'ai pas réussi à mettre un point de plus. Mais j'ai pas réussi, vraiment. Hein. J'ai tout donné et j'ai pas réussi à mettre un point de plus. Donc, il y a déjà de l'amélioration, on va dire. C'est-à-dire comparé aux autres, à l'autre event, au final, bah, là, je fais 27 points. En peu de temps. Donc en vrai ça va, enfin en vrai ça va. On va dire que ça me permet de m'entraîner quoi, tout simplement. Mais les ballons, je suis convaincu que c'est très fort. Là, je joue comme si j'étais en scrim. Enfin, en scrim. En termes de stuff. Enfin, je parle. Et lui avec ses petits ballons là. Je rêve ou il vient de mettre un airshot avec ses ballons? Bah. Ça va, loulou? Monsieur fait grosse colère. On n'a rien vu, hein. On oublie ce qu'on a vu. Oh de Dieu, lame. Je le vois en plus que je suis pas dessus. Oula. Oula, c'est problématique. Ah non, mais moi, vous le savez. Hein, moi, le vieux de la vieille, hein, je dois me chauffer 2-3 heures avant de pouvoir avoir un aim plutôt correct, quoi. C'est la base. C'est une catastrophe cette épée. Je sais pas ce qu'il faisait le mec là, mais bon, lui là. En vrai, l'épée, faut voir avec un bon joueur ce que ça donne, mais je pense que ça se counter assez facilement.
Après, le truc, c'est qu'il faut pas que les autres te tirent dessus, quoi. Bon, bah, c'est un GG. Un GG 9 kills. J'ai tellement du mal. J'ai tellement du mal. Faudrait que je vienne 1 heure à l'avance pour pouvoir bien me chauffer et tout, en mode pour que je sois ultra fluide dans mon aim et tout. Bon, bah, non, non, non. Il faut dormir quand même le matin. Il était naze aussi. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi qu'il est. Enfin, j'aimerais. En fait, il faudrait que je teste contre un bon joueur, voir si vraiment c'est possible de le counter ou pas. C'est en fin de game que c'est quasi instoppable. Ouais, clairement, le Winter hier était incroyable. Hein. Les mecs à l'épée, ils avaient tous 12 kills, quoi. Non mais, il faut arrêter, quoi. Enfin, c'est le plus drôle dans cette histoire, c'est que les mecs d'Epic, ils font un Winter, et ils laissent l'épée. L'épée vient de sortir le jour même. Le soir, il y a le Winter avec l'épée. Je peux te dire que les gens qui sont morts par l'épée, ils doivent tellement haïr l'épée, ils doivent avoir le démon, vraiment.